vais être tout à fait honnête avec vous. Aujourd'hui, je voulais filmer une vidéo, sauf que après au visionnage de la vidéo, j'ai pas du tout aimé ma tête dans la vidéo. Je me suis trouvée moche, je me suis dit, je peux pas mettre comme ça sur YouTube parce que je me trouve pas belle dans la vidéo. Et voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'arrive extrêmement souvent. Ça m'arrive vraiment souvent où il y a des jours où je filme des vidéos, où je commence à filmer des vidéos, et au final après j'arrête parce que la luminosité ce jour-là est pas bonne, du coup ça me fait pas une belle peau, ou parce que tout simplement ce jour-là je me trouve moche, voilà, on a des jours avec, on a des jours sans, bref. Et aujourd'hui c'est un de ces jours, c'est-à-dire que là, voilà, il neige dehors, du coup la luminosité est pas forcément au top, du coup je trouve que ma peau, je sais pas, ça fait dégueulasse. Là aujourd'hui je me trouve pas belle avec vous, je vais être honnête, et c'est vrai que ça peut paraître contradictoire avec ma dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, ma vidéo où je parle du glow-up et du coup dedans, en gros je dis que voilà, faut qu'on essaye de se trouver beau et belle, et que, enfin bref, si vous l'avez pas vu, vous irez la voir. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais je suis pas parfaite et j'ai encore, voilà, des jours, beaucoup de jours où je me trouve moche et où du coup bah au final je filme pas la vidéo que je voulais filmer. Mais là aujourd'hui je me suis dit, allez tant pis, filme quand même une vidéo. Donc je vous avoue que j'ai absolument pas préparé cette vidéo, j'ai aucune note alors que d'habitude j'ai tout le temps mes petites notes et tout. Voilà, aussi c'est une vidéo plutôt chill, genre là je sais pas si vous voyez mais je suis assise dans mon lit, donc voilà, je pense qu'il y aura un peu moins de montage que d'habitude et tout, mais je sais pas, aujourd'hui voilà j'avais juste envie de me poser, de parler avec vous, même si vous pouvez pas me répondre directement, vous pouvez le faire en commentaire ou sur Insta ou enfin bref. Donc par où on va commencer. Après, les standards de beauté, ils ont toujours existé, mais je pense qu'aujourd'hui encore plus, parce que tous les médias, Pinterest, Instagram, TikTok, je pense que c'est encore plus renforcé, parce que souvent sur TikTok on voit tout le temps des personnes qu'on trouve trop belles et tout, et voilà, je pense que TikTok c'est encore plus renforcé ce truc de standards de beauté et ce bail de on se trouve jamais assez beau et assez belle comme on est. Parce que c'est vrai que sur TikTok, et moi la première, quand je vais sur TikTok, j'adore TikTok, hein, vraiment je passe énormément de temps sur TikTok. J'en fais aussi parfois, mais je vous avoue, enfin vous pouvez aller voir mon TikTok dans la barre d'infos, mais c'est pas trop mon truc, enfin je suis pas très forte sur TikTok. Mais bon bref, mais en tout cas j'adore en regarder. Mais c'est vrai que parfois quand je tombe sur des TikTok, par exemple c'est des, vous savez, les petits TikTok de 1 minute, de toute façon TikTok c'est maximum 1 minute. Enfin bref, mais les TikTok genre Get Ready, où on voit la meuf qui se prépare avec sa peau toute lisse et tout, son maquillage parfait, machin. Et souvent quand je vois ça, et c'est là où c'est un peu à chaque fois controversé, c'est que d'un côté, bah ça me fait plaisir de voir des gens que je trouve beaux, genre à chaque fois je suis là en mode waouh et tout, je like son TikTok et machin. Donc là je parle de TikTok, mais c'est pareil avec les photos Pinterest ou Instagram. Mais d'un autre côté, il y a toujours une partie de moi-même qui, elle, se sent pas bien et se sent encore plus dévalorisée, parce que du coup, voilà, il y a toujours des voix dans mon cerveau qui me disent, mais regarde comment elle est belle, regarde comment sa peau, elle est lisse, regarde comment, je sais pas, elle a des beaux yeux, regarde comment son nez, il est fin. Et après, je me dis, putain, mais je suis vraiment moche, en fait. Parce que voilà, c'est ce que je vous expliquais aussi dans ma vidéo glow up. J'ai énormément glow up, même par rapport à mon image de moi-même ces derniers mois. C'est-à-dire que je me trouve beaucoup plus belle qu'avant. Et je le dis vraiment, genre là, en ce moment, je me trouve souvent belle. Genre, il y a souvent des jours où je me dis, je suis trop belle aujourd'hui et tout. Oh, c'est mon chat, elle m'a fait trop peur. Bien chou. Ah, vous allez voir débarquer mon chat. Viens là. Elle est énorme. Allez, file. Ok, je sais plus ce que je disais. Comment dire, je me trouve beaucoup plus belle qu'avant et tout, donc enfin franchement ça fait grave plaisir. Mais du coup quand je tombe sur des TikTok ou des photos Pinterest et tout, où genre les meufs sont trop belles, et bah j'ai l'impression que tout le travail que j'ai fait sur moi-même s'effondre et je suis là en mode mais... Genre limite je me sens ridicule, je me dis mais meuf, comment t'as pu te trouver belle alors que cette meuf existe et regarde comment elle est belle. Et vraiment à chaque fois c'est ça ce qui se passe dans mon cerveau. Et j'essaye vraiment de travailler sur ça, genre quand j'ai des pensées comme ça qui arrivent, j'essaye de me fight avec ces pensées et de me dire mais non, je suis belle comme je suis et tout. Donc voilà, j'essaye vraiment de travailler sur ça, mais pour vous dire que je pense vraiment qu'on a encore plus de mal et tout avec nos images de nous-mêmes à cause de bah des médias et surtout Instagram et TikTok. Et c'est surtout en fait ce que je trouve un peu bête, c'est que les standards de beauté changent constamment. C'est-à-dire que par exemple, en ce moment, c'est un peu la mode des nez super fins et des yeux un peu étirés. Il y a même des opérations comme ça, genre de fox eye et tout. Ce qui est d'ailleurs problématique, mais putain, il y a plein de poils qui volent. Mais bon, je suis pas trop concernée par ça, donc je vais pas en parler. Mais je pense qu'il existe beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquent pourquoi, genre, cette traîne des... qu'on étire nos yeux et tout, c'est problématique, mais bon, bref. Mais donc, du coup, voilà, c'est un peu la mode des nez super fins et des yeux étirés, machin et tout. Et quand vous prenez les standards d'il y a quelques années, c'était complètement l'inverse, quoi. Voilà, je sais que c'était plutôt la mode des gros yeux. On voyait même les traits d'eyeliner, au fil des années, ils ont un peu changé la mode des traits d'eyeliner, parce qu'avant, c'était des traits
montrer qui faisait plutôt un regard de biche, enfin voilà. Et donc c'est vrai, je trouve ça bête parce que du coup, il y a 10 ans, ça se trouve, il y a des meufs qui pleuraient parce que bah, voilà, elles aimaient pas leurs yeux, ou même, je sais, j'ai des potes qui sont asiatiques et tout, qui se sont fait carrément harceler parce qu'elles avaient les yeux bridés et tout, et aujourd'hui, c'est carrément devenu une mode d'avoir les yeux étirés, et donc je me dis, mais... C'est tellement con, genre on se conforme tellement à des standards qui changent genre tous les 5 ans. Et moi la première, hein, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, j'avais jamais complexé sur mon nez. Genre mon nez, je l'ai toujours trouvé beau, je me souviens même il y a quelques années et tout, j'étais en mode ouais il est mimi et tout. Et là du coup depuis quelques mois, depuis que du coup la trend du nez super fin, les gros contouring du nez pour avoir le nez super fin et tout, depuis qu'il y a beaucoup ça sur TikTok etc, bah je me suis mise de ouf à complexer sur mon nez. Et même là encore, là maintenant quand je me filme, là je vois que mon nez dans la caméra, c'est horrible. Genre j'ai vraiment l'impression maintenant que mon nez est énorme. Et du coup je vous avoue que j'essaye de changer ça tout le temps avec du contouring du nez et tout. Bon, mon contouring du nez je le fais pas trop prononcer, mais je le fais quand même parce que je me sens pas belle avec mon nez, que du coup j'estime que je trouve trop gros, alors qu'avant je l'avais jamais trouvé trop gros. Mais du coup maintenant, à force de voir que les meufs qui sont souvent trouvées belles ont des nez super fins, bah je sais pas, ça pousse mon subconscient à me dire que je dois avoir le nez fin, sinon je suis pas belle. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, là c'est juste l'exemple avec mon nez, mais enfin du coup je vous dis c'est pareil pour tout, pour les yeux, pour la bouche, même pour le corps. Voilà, je sais qu'il y a quelques années, c'était vraiment la mode des corps un peu à la Barbie, des meufs super grandes, vraiment aucune une forme, super mince voire trop maigre, et je sais que ça aussi ça a développé plein de troubles alimentaires et tout chez certaines personnes, ces standards de beauté. Et quand vous regardez aujourd'hui, ces standards ils ont complètement changé. Genre aujourd'hui ce qu'on recherche c'est plus forcément des meufs super grandes, mais c'est des meufs qui ont des formes bien prononcées, des fesses bien prononcées, alors que voilà, il y a encore quelques années, c'était pas du tout ces standards là quoi. Et du coup je me dis, mais c'est tellement con, et c'est normal hein, comme je vous l'ai expliqué, moi c'est pareil. Mais quand j'y pense, je me dis c'est tellement con qu'on soit là à se dévaloriser et à se trouver moche pour des standards qui sont définis par les médias et qui au final changent tous les 5-10 ans. Enfin c'est vrai, c'est tellement con, et surtout que, enfin je sais pas, y a pas de beauté parfaite en fait. Enfin du coup moi c'est vrai que maintenant quand je vois des meufs tout de suite sur Insta et tout qui ont un nez super fin, des yeux un peu étirés et tout de suite je les trouve belles. Tout de suite je suis en mode putain la chance, elles ont le nez fin, elles ont les yeux comme ça, comme si elles ont des grosses lèvres. Mais quand j'y réfléchis je me dis il y a aussi d'autres meufs qui rentrent pas forcément dans ce standard de beauté et que je trouve tout aussi belles. Et ça notamment je le ressens beaucoup, donc je vous avoue ça me fait beaucoup de bien. Quand je regarde des défilés ou genre des reportages sur les défilés de haute couture et tout, parce que c'est vrai que souvent les mannequins voilà comme ça qui défilent pour des grandes marques et tout, je sais pas si vous vous intéressez à ça, mais souvent ces mannequins là elles ont pas forcément les nez fins et tout. Souvent elles ont même parfois des têtes un peu asymétriques qu'on pourrait nous-mêmes trouver moches, mais pourtant quand je les vois je les trouve super belles. Et c'est là que je me rends compte que vraiment au final il n'y a pas une beauté parfaite. Après attention, je sais bien évidemment que c'est plus ou moins facile pour certaines personnes, c'est à dire que je sais quand même que moi, même si moi maintenant je trouve pas forcément que je rentre dans les standards de beauté, je sais quand même que mon physique va plus facilement être accepté que par exemple une femme qui est beaucoup plus ronde, qui est noire par exemple. Et voilà, je sais que j'ai quand même la chance d'être vachement privilégiée même au niveau de mon physique, parce que bah voilà je suis blanche et que je suis quand même assez mince, et donc du coup voilà je sais que pour certaines personnes c'est encore plus compliqué ces standards de beauté. Mais bon, je trouve quand même que la société change petit à petit. Du coup voilà, ça se voit notamment dans les défilés, genre maintenant les défilés c'est plus forcément des meufs super grandes, super minces, on a de plus en plus des filles qui sont plus petites, qui sont plus rondes, on a beaucoup de diversité raciale dans les défilés, genre souvent on a des blanches, on a des noirs, on a des asiatiques et tout. Et du coup je trouve ça bien, même si attention il y a encore énormément de progrès à faire par rapport à ça. Bref, je m'égare un peu, de toute façon je vous ai dit là j'ai rien préparé, donc j'ai un peu mille pensées qui me traversent l'esprit. Mais donc ce que je voulais aussi dire d'autre, c'est que j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'en tant que femme on est un peu genre acceptée nulle part, c'est à dire que dans tous les cas on sera jamais totalement acceptée, parce que par exemple une femme qui est super mince, on va lui dire mange plus, genre pourquoi tu manges pas, on dirait un squelette machin, on va lui sortir des trucs comme ça. Et au contraire une femme qui est plus ronde, peut-être qui s'apprête un peu moins, on va lui dire pourquoi tu te négliges, pourquoi tu fais pas un régime, pourquoi ci, pourquoi ça. Et donc c'est vrai que bah j'ai l'impression qu'on sera jamais totalement acceptée par la société, puisque voilà la société a toujours des trucs à dire sur le physique des femmes, même si encore une fois il y a quand même des physiques plus ou moins privilégiés hein. Et donc du coup je me dis quand je
je vois comme ça que dans tous les cas on sera jamais accepté par tout le monde complètement. Je me dis le plus important c'est qu'on se plaise à nous-mêmes en fait. Genre je me dis faut pas qu'on essaye de plaire à la vision des médias, à la beauté qu'essayent de diffuser les médias. Je me dis faut juste qu'on se plaise à nous-mêmes. Déjà la beauté c'est super subjectif hein. Parce que voilà, même si du coup, comme je dis depuis le début, il y a un peu en ce moment un type de beauté parfait qui est diffusé partout dans les médias et tout, la beauté ça reste quand même extrêmement subjectif. C'est-à-dire que moi par exemple, je vais trouver une meuf trop belle, ça se trouve quelqu'un d'autre va la trouver beaucoup moins belle, enfin ça se voit rien qu'avec les célébrités, genre chacun a des celebrity crush différents. Donc du coup voilà, déjà la beauté c'est subjectif, mais pour moi, ce qui fait vraiment la beauté chez quelqu'un, c'est même pas forcément ses traits de visage ou son corps ou n'importe quoi, c'est déjà la confiance de cette personne. À chaque fois j'ai envie de dire confidence parce que du coup en anglais c'est confidence et du coup à chaque fois je le traduis en français en mode confidence et à chaque fois je suis en mode mais non confidence ça se dit pas en français. Donc bref, la confiance d'une personne, voilà, si ça se voit que cette personne a confiance en elle et tout, je trouve tout de suite que la personne va dégager un truc et ça va me faire la trouver belle parce que je vais être en mode waouh, ça se voit que la personne se trouve belle, ça se voit qu'elle a confiance en elle et donc du coup je la trouve belle. Et aussi je sais pas, les intentions de la personne et sa gentillesse, c'est à dire je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je trouve que quand une personne est genre profondément gentille, genre voilà qu'elle a que des bonnes intentions et tout, bah je trouve que ça va tout de suite genre rendre la personne 10 fois plus belle. Et peut-être pensez à une personne dans votre entourage ou même une célébrité ou je sais pas, que de base vous trouvez peut-être pas forcément super magnifique, mais que comme je sais pas, elle est super gentille, enfin ça se voit qu'elle a une belle âme, bah ça va la rendre belle, vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour dire que voilà, au final la beauté c'est super subjectif et que pour moi, même si ça sound un peu cliché, que pour moi la beauté ça vient surtout de l'intérieur en fait, même si on s'en rend pas forcément compte. Du coup voilà, et aussi je pense que c'est vrai que souvent on n'a jamais une haine physique aussi forte envers les autres qu'envers nous-mêmes. Je sais pas si c'est clair, mais souvent la première personne qu'on trouve moche, c'est nous-mêmes. Parce que, ça s'explique parce que du coup, en fait, personne vous connaît mieux que vous-même, et ça vaut aussi physiquement. C'est-à-dire que vous, toute votre vie, vous vous voyez tous les jours, tous les matins, tous les soirs, c'est-à-dire que vous avez le temps de vous examiner, vous avez le temps de voir vos petits boutons par-ci, par-là, vous avez le temps de voir que peut-être que vos yeux ne sont pas extrêmement symétriques et tout, mais quand vous y réfléchissez, bah vous vous dites que si une personne vous voit 3 heures dans une journée, elle va pas s'attarder comme ça sur votre visage et se dire ah ouais, c'est vrai que t'as un œil plus gros que l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre, je pense surtout pourquoi on se trouve toujours moche, c'est parce que voilà, notre visage nous est super familier et du coup aussi peut-être à force de le voir, bah ça nous fait pas le même effet que quand on voit quelqu'un pour la première fois dans la rue, ou enfin, je pense faut vraiment qu'on essaye de se voir sous un nouvel œil et que voilà, et souvent aussi notre cerveau nous déforme notre propre vision de nous-mêmes, et ça encore une fois c'est un peu ce que j'expliquais dans ma vidéo Glow Up, mais quand vous vous regardez dans le miroir, essayez vraiment de remarquer les belles choses chez vous, les choses physiquement que vous aimez chez vous, et vous allez voir que déjà ça va vraiment changer votre vision de vous-même parce que vous allez arrêter de vous attarder sur des petites choses que vous pouvez pas forcément changer. Et voilà, surtout aujourd'hui, encore une fois, avec les médias, c'est d'autant plus facile de modifier ce à quoi on ressemble. C'est-à-dire que voilà, quand on prend une photo Instagram, après, faut pas croire, il y a souvent des retouches, il y a des filtres, ou même TikTok, quand à chaque fois on voit une meuf avec une peau trop belle et tout, bah souvent il y a toujours l'effet lissé là sur TikTok. Et donc c'est vrai qu'avec ces nouveaux médias, ces nouvelles applications de retouches et tout, bah c'est d'autant plus facile de voilà modifier notre vision de nous-mêmes. Et ça aussi je vous avoue c'est quelque chose qui m'est aussi déjà arrivé. C'est-à-dire que je vais pas vous mentir, je vais être tout à fait transparente avec vous, j'ai déjà retouché mes photos et je l'assume totalement, j'ai déjà retouché mes photos. Après voilà, c'est pas des énormes retouches, mais ça m'est déjà arrivé sur mes photos de peut-être réduire un peu mon nez. Et donc voilà, ça m'est déjà arrivé de modifier quelques trucs chez moi et tout. Et c'est tellement facile de tomber dans ce piège-là des filtres et des retouches et des machins. Parce que le truc c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme une addiction. J'ai l'impression qu'une fois que vous commencez, ça va être vraiment difficile de revenir aux photos sans retouches et de pas accentuer les retouches au fur et à mesure des photos. Parce que voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un cercle sans fin. Et une fois qu'on découvre le monde des filtres qui lissent la peau et des retouches et tout, bah c'est difficile de revenir en arrière. Sauf que bah déjà voilà, ça diffuse une vision de vous qui est pas forcément la vraie réalité. Donc voilà, peut-être que les meufs sur Instagram que vous trouvez trop belles et tout, peut-être sûrement elles retouchent aussi leurs photos. Et donc du coup voilà, gardez ça en tête quand vous voyez des photos parfaites sur Instagram, sur Pinterest et tout. Dites-vous que déjà ces photos sont peut-être retouchées, que la personne a sûrement pris 500 photos afin d'en avoir une seule qui est belle. Mais donc du coup déjà voilà, les retouches ça diffuse une réalité qui est
pas vraiment la vraie, et en plus ça vous fausse aussi votre propre vision de vous-même. C'est-à-dire que du coup, une fois que moi j'ai commencé à retoucher un peu mon nez sur des photos et tout, quand je faisais ça, quand je retouchais mon nez, après une fois que le soir je me regardais dans le miroir, donc là où il n'y avait pas de retouche, bah j'ai l'impression que le fait d'avoir retouché mon nez sur une photo que j'avais prise le matin et de l'avoir publiée, bah j'ai l'impression que je trouvais mon nez encore plus gros, parce que du coup là je le voyais sans retouche, et aussi ça me donnait un peu un syndrome de l'imposteur, dans le sens où je me suis dit que les compliments que j'avais reçus sous ma photo Instagram, enfin bref, j'étais en mode j'ai pas mérité ces compliments parce que les personnes ont complimenté une photo qui est retouchée, et même si elle est pas retouchée énormément, c'est quand même pas la vraie réalité, c'est quand même pas la vraie photo. Et du coup limite je me sentais mal, j'étais en mode mais pour le coup je suis vraiment une impostrice, genre les gens ils commentent une photo de moi qui est pas exactement la vraie réalité, et du coup ça me faisait me sentir encore plus mal à propos de moi-même, parce que j'étais en mode déjà je rentre pas dans les standards de beauté, en plus je mens à propos de ma tête, et donc du coup voilà, ça me faisait me sentir encore plus mal, et du coup j'ai l'impression que les médias, les retouches, les standards de beauté, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu des marécages dans lesquels on s'enfonce, et du coup je pense vraiment qu'il faut essayer un maximum de sortir de ce cercle sans fin, essayer de prendre vraiment Instagram et TikTok vraiment avec des pincettes, prenez beaucoup de recul, comme j'ai dit il y a quelques minutes là, quand vous voyez une photo et tout, prenez du recul, dites-vous qu'elle est sûrement retouchée, et si vous y arrivez pas, bah hésitez pas à vraiment couper les ponts pendant quelques temps avec les médias, bah hésitez pas pendant quelques temps à voilà, supprimer TikTok, ou alors unfollower certains comptes qui vous font du mal, vous vous rendez compte qu'ils vous font du mal, même si c'est inconsciemment. Enfin bon, voilà, je vous avoue que là j'ai plus de dos, parce que depuis tout à l'heure je suis assise en tailleur, et j'ai l'impression aussi que là j'ai vraiment parlé dans tous les sens, donc je sais pas si je vais publier cette vidéo. Si je la publie, je suis désolée, ça a sûrement été hyper brouillon, genre j'ai l'impression que je suis partie absolument dans tous les sens. Mais en tout cas voilà, encore une fois je vous rappelle que vous êtes vraiment magnifique comme vous êtes. Je suis toujours là si vous voulez parler, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager des expériences, enfin donner votre avis, vraiment j'adore répondre aux commentaires, lire les commentaires et tout. Vous pouvez aussi me follow sur Insta, on peut parler sur Insta, j'essaye de répondre à tous les DM que je reçois. Et donc voilà, mais franchement ça m'a fait plaisir de me poser comme ça pour parler. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, ça me fait toujours vraiment trop plaisir. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous, n'oubliez pas de répondre beaucoup d'amour autour de vous, et voilà, ciao.